J'invite à présent Didier Labatte, adjoint à la sous-directrice de l'animation territoriale et de l'appui aux politiques, à la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de la Transition écologique, à introduire cette journée. Bien, merci Delphine. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue dans les locaux du ministère de la Transition écologique et solidaire. Vous dire aussi que je suis ravi de pouvoir vous retrouver aujourd'hui comme l'année dernière et de voir cette journée thématique qui s'inscrit dans des préoccupations de la direction de l'eau et de la biodiversité. Alors les acteurs du génie écologique que vous représentez ici œuvrent régulièrement pour la préservation et la restauration de la biodiversité. Et cette journée qui s'inscrit dans la volonté de développer une démarche d'amélioration continue, donc en est la preuve. Depuis de nombreuses années, le ministère suit avec attention particulière la thématique du génie écologique, tout simplement parce que nous considérons que... nous sommes convaincus que les politiques publiques que le ministère déploie, mais également l'ensemble des acteurs, et en particulier les collectivités territoriales qui sont montées en compétence sur ces questions-là, ne peuvent être efficientes que si elles reposent sur une très bonne capacité d'expertise sur le terrain. Alors nous devons collectivement être en mesure de développer des solutions efficaces et résilientes de demain. Et le domaine du génie écologique présente un enjeu fort et croissant depuis plusieurs années. Alors, c'est aussi pourquoi le ministère de la Transition écologique et solidaire a depuis 10 ans, avec ses partenaires, contribué à promouvoir le génie écologique. Je vais juste rappeler quelques éléments rapidement. Donc, en 2010, nous avons inscrit le génie écologique dans les filières stratégiques de l'économie verte. En 2013, nous avons aussi publié des lignes directrices nationales pour la séquence éviter, réduire, compenser, et qui ont ensuite été inscrites dans la loi biodiversité en 2016. Et en 2014 et en 2018, avec la co-organisation avec l'AIGECO et l'AFB, du premier Grand Prix génie écologique qui a été remis par la ministre elle-même. Alors, le ministère promeut et aussi soutient des actions qui permettent de mutualiser les connaissances. Alors, ça a été évoqué par Delphine à travers le centre de ressources, mais il y a aussi l'annuaire professionnel des entreprises du génie écologique et une notion de réseau qui est importante de le montrer et de le mettre en évidence. L'élaboration aussi de règles professionnelles avec l'UNEP et puis le développement de centres de coordination et d'expérimentation d'application du génie écologique avec l'UPGE. Et aujourd'hui, nous sommes aussi dans un travail de normalisation qui fait partie aussi de la montée en compétence de cette filière-là. Alors, le MTES accompagne depuis le début le centre de ressources qui est piloté par l'Agence française pour la biodiversité. Cette dynamique qui est mise en œuvre, nous la considérons aussi comme essentielle. Donc ça a été expliqué aussi par Delphine, cette notion de réseau et d'échange qui sont riches, permettent de faire avancer les pratiques et pour nous aussi d'avoir en retour un état de la situation. Nous encourageons les professionnels à venir s'insérer dans cette dynamique de réflexion et à participer à ces échanges-là. Et c'est aussi l'objet donc de ces journées techniques comme aujourd'hui, l'année dernière en 2018 sur la nature temporaire, et puis aujourd'hui sur la notion d'éco-conception et de conciliation avec les enjeux socio-économiques des acteurs de l'aménagement. Alors cette journée s'inscrit avec pertinence dans l'actualité du ministère. Vous n'êtes pas sans savoir que la France s'est inscrite dans une trajectoire biodiversité avec des échéances importantes, comme le congrès mondial de l'UICN qui est accueilli à Marseille en juin, et puis ensuite la participation de la France à la COP15 biodiversité en Chine. Alors, quelques chantiers importants ont été mis en place. Je vais citer 3 principaux par rapport à la thématique de la journée. Donc, on a des engagements qui ont été définis dans le plan biodiversité. Et les réflexions que vous mènerez aujourd'hui nous accompagneront aussi dans la mise en œuvre d'actions importantes. On a aussi la deuxième séquence des assises de l'eau qui, là aussi, fait appel aux acteurs du génie écologique. Et puis la feuille de route de l'économie circulaire du ministère qui donne des axes d'ambition auxquels cette journée-là va aussi apporter des éléments de réponse. Alors l'objectif, l'intérêt de cette journée, c'est aussi d'apporter donc des pistes de réflexion sur la construction d'une économie qui est sans pollution, à faible impact sur la biodiversité, et donc qui va mobiliser les démarches d'éco-conception. La mise en œuvre donc, des différents engagements à travers les 3 axes que j'ai rappelés
montre aussi, enfin, donne une capacité ou un potentiel de montée en puissance des acteurs du gynécologique. Alors, quelques exemples. Donc, vous avez le développement des solutions fondées sur la nature, qui font l'objet à la fois d'une action dans les assises de l'eau et dans le plan biodiversité, avec deux axes, le développement d'un pôle d'animation national autour de ces solutions fondées sur la nature, et puis leur expérimentation sur le territoire, qui est un volet essentiel. Et j'en profite pour féliciter l'Agence française pour la biodiversité et ses partenaires qui sont lauréats de l'appel à projet artisan qui a été lancé par la Commission européenne. Autre point de relance, ou en tout cas de mobilisation, les objectifs de renaturation et de désimperméabilisation qui sont identifiés, avec là aussi des expérimentations, des axes de restauration de la dynamique des cours d'eau, de la préservation des zones humides et au sens large de la restauration des continuités écologiques, et puis aussi un renforcement de la mise en œuvre de la séquence éviter, réduire, compenser, et encore de nouvelles autres actions qui vont vous intéresser, comme le déploiement de, enfin, en tout cas, le renforcement de la nature en ville avec un enjeu de réponse à des attentes sociétales qui sont de plus en plus fortes. Et puis la contribution aussi à l'objectif de zéro artificialisation nette, qui est un axe fort du gouvernement. En particulier, là, vous pourrez vous apporter vos compétences sur les méthodes de désartificialisation. Alors, malgré ces différents, je dirais, progrès de ces dernières années sur la structuration de la filière du génie écologique, on voit quand même qu'il y a encore des verrous techniques, méthodologiques ou réglementaires qui font que l'on emploie des méthodes ou des matériaux qui sont peu durables, voire pas du tout. Bon, si on prend l'exemple d'utilisation du plastique dans les actions de génie écologique, on voit bien que les contraintes d'aménagement et des pratiques actuelles donc, doivent être questionnées pour apporter des améliorations. Et donc, le développement d'un secteur d'activité du génie écologique doit aussi s'interroger sur l'éco-conception de ces projets. Et donc, c'est aussi d'une manière légitime que cette journée-là va poser ces questions-là. Alors, au-delà du plan biodiversité, nous avons aussi la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 qui a apporté aussi une ambition renouvelée, avec des objectifs qui sont insérés dans la feuille de route et de l'économie circulaire, qui proposent de passer à des mesures concrètes pour atteindre ces objectifs de limitation de l'impact sur les écosystèmes. Et donc l'intégration de l'éco-conception dans les pratiques des entreprises correspond à une de ces mesures, et cette journée aussi y répond également. Autre élément aussi important, l'ADEME aide les entreprises à développer des démarches d'éco-conception dans le cadre d'opérations individuelles ou collectives. Et aujourd'hui, donc, je me réjouis que l'Agence française pour la biodiversité vienne aussi s'emparer de ce sujet-là en organisant cette journée. Dernier point un peu technique sur la perspective de cette journée. Dans les actions d'innovation que nous mobilisons depuis plusieurs années à travers notamment des programmes d'investissement d'avenir, l'approche prospective sur les manières de faire et les matériaux utilisés est pour nous essentielle parce que ces réflexions font émerger des solutions ou des perspectives d'amélioration et permettent aussi de répondre à des freins qui sont à qualifier, à mieux identifier et des pistes d'amélioration collective. Et donc pour nous, ça nous permettra d'alimenter nos axes de recherche et d'innovation, notamment en améliorant l'expression des besoins des acteurs de la filière dans les appels à projets que nous lançons. Alors en conclusion, bien que le cœur même du génie écologique a pour objet donc de reconstituer la qualité des écosystèmes, il est utile aujourd'hui que les acteurs de la filière prennent le temps de s'interroger sur la prise en compte de la biodiversité tout au long de la chaîne de valeur, dans le montage des projets, sur l'origine des matériaux, leur fabrication, l'utilisation à la fin de vie des matériaux utilisés, sur la gestion aussi, et les enjeux de gestion et d'entretien des milieux restaurés. Je voudrais également faire un court aparté sur l'enjeu de la formation des métiers de la conception spatiale, où paysagistes, architectes, ingénieurs écologues, etc., sont amenés à faire des prescriptions. Donc, ils conseillent les maîtres d'ouvrage. Et il serait aussi intéressant qu'on puisse aborder ces sujets-là de telle manière qu'ils puissent proposer des partis pris à ces maîtres d'ouvrage qui s'inscrivent dans les réflexions que vous allez mener. Et puis, le déploiement des nouvelles techniques éco-conçues, efficaces et résilientes donc implique aussi de disposer d'actions exemplaires qui vont pour nous servir de levier, de démonstrateur de la pertinence de ces modèles et qui vont renforcer l'exercice d'innovation que chacun est amené à faire.
Je voudrais remercier pour conclure donc, l'Agence française pour la biodiversité qui organise cette journée et qui le porte sur une approche prospective. Remercier aussi les intervenants, porteurs de projets et acteurs qui vont témoigner de leur pratique et de leur expérience et qui vont alimenter cette journée. Et puis, je vous souhaite à tous donc, une belle journée d'échange.